Il y a deux chiens là avec le randonneur. Putain, ils viennent de mettre un coup de pression au troupeau. Pauvre bête. Bon, par contre, les petits potes, vous êtes en plein milieu de la ligne. Hein. Tu vas voir que je vais me faire attaquer par un bélier, là. Il y en a avec des cornes, ils vont me défoncer. Genre les plus laineux là. Et le gars il a quand même des belles cornes là. J'ai pas envie de me faire empaler quoi. Ah, c'est pas un randonneur, c'est le berger en fait. On a oublié quelques-uns. Non, c'est qu'ils étaient, il y avait toute une partie qui était en bas là. Ok. En bas. Bonne journée, monsieur. Sur les gars. Bonjour. Ouh, sortie de piste. Ouh. Joli rattrapage. Ah putain, c'est grave mort. Ouf, c'est Marriott ici. Putain, c'est relou avec l'orage qu'il y a eu hier. Il y en a partout. Partout. Alors, je vous ai pas présenté cette piste en début de vidéo, mais c'est une piste que je vous ai déjà fait voir sur une vidéo précédente. Je voulais juste partager ça
fait de croiser le troupeau. Là, on est sur la 30. Donc, c'est une BH verte. Avec un peu de relance quand même. Là, on est donc le dernier jour de la saison. On est le 31 août. Le bike park ferme ce soir. Donc, on va commencer à reprendre les vidéos dans la forêt. Mais j'ai quand même 2-3 autres idées de vidéos. On va certainement monter un fort à côté du col du Petit Saint-Bernard. Ça va piquer un peu, mais il y a moyen que ce soit vraiment magnifique comme endroit. De toute façon, il va falloir que je fasse ça avant que l'automne arrive vraiment, avec ces journées de pluie ou même la neige. C'est sûr qu'une fois qu'il y aura la neige, ce sera inaccessible. Puis on repartira plus sur un rythme de vidéos de ski plus que des vidéos de vélo, même s'il y aura toujours des vidéos de vélo même avec la neige, comme vous avez déjà pu partir hier. Mais il y aura plus de vidéos de ski, c'est sûr. L'inconvénient avec la fermeture de la saison, c'est qu'il va falloir se remettre à pousser le vélo pendant des heures pour avoir un peu de descente. Pas sûr que ce soit la ligne initiale, mais ça s'emprunte. Putain, ça tape.
Reprise de la piste. Voilà.